Très bien. Pour lancer cette nuit des musées, et que nous avons voulu originale, mais aussi traditionnelle avec le mariage d'Amélie, qui met en scène le musée de Creil, mais aussi avec le lancement de deux médias pour que le musée soit connu et reconnu. C'est-à-dire que vous voyez, on a un média qui, où on tourne les pages du livre, où il y a une certaine sensualité, il y a une certaine odeur. Et puis après, on a la plaquette. Alors, c'est l'application qui est lancée aujourd'hui, qui nous fait visiter le musée, qui nous fait visiter ses collections. Il y a des gens qui font des chansons sur milieu, après les gradins, ils savent pas comment nous vivons, et balançons nous des salades. Alors j'en ai fait une à ma façon, et je vous dis sans fanfarade, ça ne casse rien, et l'air est très bien. Et vous chantez tous au refrain. La valse à l'aider de Montmartre, au son de l'accordéon, vous donne le grand frisson. La valse à l'aider de Montmartre, on l'a fait deux à deux et les yeux dans les yeux. La valse à l'aider de Montmartre, c'est la danse d'amour qui le brise toujours. Dans tous les musées de la ville, c'est la vraie, mais la vraie, 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 vraie. C'est la vraie, mais la vraie, 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 vraie. Entre nous, on est bons bourgeois et notre rêve, c'est de pouvoir sur terre en planquer un peu chaque mois et se tirer vivement des affaires. Dans un bled, d'avoir son chez-soi en Paris, comme des millionnaires. Entre nous, avoir son apéro et choix, chanter au bord de l'eau. Et quand on chante, à l'idée de Montmartre, c'est la danse et l'amour qui nous guérit.